Bien bonsoir tout le monde, tout internaute, MVP Maxo Vidéo Production ainsi que Monde Actu. Son plaisir pour nous capables d'informer. Pas bien, jeudi, c'est 15 mai 2024. Dans une conférence pour la presse, Dixon Orest, qui c'est porte-parole Haïti Thomas, t'a bâillé une conférence. Dans la conférence, ça, il a adressé avec conseil cette tête-là. Côté qui vous fait connaître conseil cette tête-là prend trop de temps pour t'a désigné un premier ministre. Et côté que conseil cette tête là t'est annoncé dans date 11 mai côté que yo t'a recevoir monde qui pour venir déposer pièces yo ou bien document yo pour premier ministre jusqu'à 17 mai qu'a venir là et bien yo déclaré ça conseil l'affaire plus temps y a perdu pour population capable passer plus misère toujours capable souffrir plus toujours capable n'en courir plus toujours et ben yo mandé avec conseil là pour yo dégager yo pressé choisir un premier ministre et parmi premier ministre pour choisir yo pas besoin un premier ministre pépé là yo dit que yo pas veut un premier ministre pépé un premier ministre importé yo veut si un monde cap vivre dans pays d'Haïti qui gen bien li nan pays d'Haïti madame ni petite li y a vive Haïti tanko met tranquillement Mathieu on est sérieux on est compétent yon notaire qui passe des présentations et monsieur Sinek Delma en pile monde comme monsieur yon est concerné qu'a fait choix de lui-même et il t'a parlé de l'autre monde qui a choisi Paul Antoine bien-aimé mais nek sa ou fait preuve déjà et nek sa va vivre dans pays a yo gen bien même dans pays a et bien entendez déclaration Orest Dixon dans la conférence d'affaires, jeudi 15 mai 2024. Nous pour addition des organisations de base, qui ont plusieurs partis politiques en dedans et organisations de base, telles que le Parti politique Haïti Thomas, qui ont Mogad, qui ont Sonaged, qui ont secteur mobile et base 10 ans en dedans. Nous saluons la presse encore une fois. Sous situation lamentable, pays d'Haïti a fait face là, jeudi. Nous voulons bailler position nous comme coalition des organisations de base. Je veux dire, le Conseil 7 maintenant installé depuis plus de 15 jours dans le pays. Nous, le problème majeur a toujours été tel quel est, tel que problème insécurité, problème insalubrité, problème inflation qui a crasé le pays. Je dis à nous-mêmes, coalition des organisations de base, nous exhortons le Conseil là. Pour la pencher sous problématique ça qui a ravagé la société. Tel que plusieurs déplacés qui quittent le quartier populaire, côté de la vivre là, abdormi à la belle étoile, nous demandons pour ces 7 moments, il faut aller repencher sous question ça, malheureux et malheureux qui quittent côté de la vivre, bandits, azam, faire un déplacé. Mais pour ça, il faut faire un dialogue qui fait, un dialogue sincère avec tout le quartier populaire, pour que ça ait des désarmements qui fait, il faut un dialogue qui fait. Il faut gagner la question de réinsertion sociale, il faut gagner, déposer les armes qui font en dedans société pour réconcilier le quartier populaire, pour que les gens retournent à vivre la caille. Je ne dis pas que c'est dialectique des armes qui pour résoudre la question. Même pas que l'âme dialectique, c'est la plus importante pour résoudre la question de sécurité dans le pays, pour relancer le pays. Je dis à l'important, nous connaissons des rôles prérogatives. Conseil là, c'est réforme constitutionnelle, c'est organiser l'élection dans le pays pour retourner le pays dans notre démocratie. Par ailleurs, nous avons plusieurs citoyens qui ont défilé par bande et par paquet pour déposer candidature à la candidature qui est sûr pour devenir premier ministre du pays. Nous-mêmes, nous disons conseil là, il est extrêmement important. Pour le veiller en haut, veiller en bas, pour le surveiller, les gens qui viennent inscrire pour ne pas prendre la main. Pour ce n'est pas aussi au Libanais qui vient premier ministre. Pour ce n'est pas les gens qui indexent la question 4,2 milliards de dollars comme Petro-Caribé. Je dis à nous, le conseil à veiller à clair. Pour ce n'est pas des équipés, pour ce n'est pas des kidnappés, pour ce n'est pas des haïtiens en transit qui vont avoir des rapports avec le pays qui vient premier ministre. Nous voulons. Les gens qui pour une première ministre du pays, il faut créer un dialogue franche. Il faut créer le désarmement dans le pays. Il faut pencher sur le problème de sécurité alimentaire. Taux d'inflation qui monte 17 hôtels, 26,64% taux d'inflation. Je dis, il faut que nous joignions le premier ministre en dehors de CSPN avec un bon ministre de justice
un bon chef de la police, un bon chef de la police perpétuelle qui est ambassade américaine a nommé pour nous. Je dis à nous, voulons un premier ministre qui a gardé blanche, dérangé pour le parler avec l'élection fin organisée. Le KEP a baillé un monde qui est président pour plein dire non, c'est mon par là pour passer. Nous avons besoin de retourner le pays à l'ordre constitutionnel. Et nous avons demandé au Conseil 7 membres tout. Il faut qu'il y ait un changement qui fait dans la collectivité territoriale. Il ne faut pas qu'il y ait un magistrat depuis 6 ans, 7 ans, il n'y a pas de grand bilan zéro. Il ne faut pas qu'il y ait un monde, un ministère, un carreau public, nous, on ne peut pas qu'il y ait un monde prenant otage, il n'y a pas de bouchon de tout. Il faut qu'il y ait un changement dans le ministère. Il faut qu'il y ait un changement dans la direction générale. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un directeur de 6 ans, 7 ans, le bilan c'est zéro. Le sens, ça n'a pas exhorté le conseil là. Il faut qu'il y ait un de plus. Au lieu que vous agissez, tendez plus, tendez monde, prenez conseil afin que vous retourniez le pays dans la vie nocturne, vous retourniez le pays dans l'ordre constitutionnel, vous créez stabilité politique. Nous-mêmes, dans ce sens, comme porte-parole, parti politique Haïti Thomas, position nous pas changer. C'est ça que fait. Nous avons mené un plaidoyer autour de un dialogue national, autour de une consultation nationale dans toute commune, dans tout secteur, secteur Madame Sarah, secteur protestant, vaudouisant, secteur culturel là. Il faut que nous parlions, il faut que nous chita pour nous dialoguer, pour nous dire pays à ce pays pas nous, nous pas de notre pays de rechange, nous croyons dans Haïti renaît et prospère. Pour ça arriver à faire, il faut que nous dialoguer pour chaque monde qui a un problème, pour rejoindre une issue de crise pour sortir du pays dans ma race côté. Nous voulons haïtien authentique, nous voulons un monde qui a un code nombre climat avec la réalité sociétale, qui est maman fait là, grand là, qui est bien là, qui est business là, madame et petite qui a vivre là. Là, pour un citoyen, tant que Paul Antoine Bien-Aimé, qui était passé comme ministre intérieur de la collectivité territoriale. Là, pour un citoyen, tant que Didier Alix Bien-Aimé, ancien candidat malheureux au Sénat. Je pense que les gens ont des business dans le pays. Ils sont avec la population chaque jour. On est tant que Alix, il y a business dans le pays. Il est candidat au Sénat. Il est rentré dans tout le ghetto. Il parle à tout le monde. Il est caché à tout le monde sous table. Nous avons besoin de premier ministre. Tant à le stade de Mounsa, nous n'avons pas besoin de ministre pour Gérald Latorti qui est un reporter de nous là. Nous avons parlé de certains de Kony, un Kony qui déjà aime et qui perd dans le dossier Petro-Caribe. Fais pas ici un papier pour nous aller remettre choix ça qui est le gars Kony. Et nous rejetons ça de revers demain, bien loin, bien loin. Question de Gary Kony a parlé, puis de Royal, au Soudan d'ici. Au moins tant d'amis à parler de Gary Kony. Nous-mêmes, fais pas ici, nous pas prêts pour nous valer citoyens ça qui est le gars.